n'ai pas envie de dire le gros mot. C'est quoi ça? Hein? On ne joue pas. Les vidéos où on t'insulte là, tu ne joues pas. Les voix que quelqu'un c'est un vocifère dans ton inbox. Tu la laisses là-bas. Tu la bloques seulement. J'ai dit que tu la bloques complètement. C'est ça qui est ça. Quand vous voyez que quand je dis aux gens là que laissez-moi insulter ton professeur, laissez-moi insulter, et je reçois ça tous les jours, hein, le harcèlement que vous voyez là. Quand je vous ai dit que la personne qui n'est pas d'accord que j'insulte au professeur, dégage sur ma page. C'est désabonné. On continue avec les voix. Tu croyais que si tu n'es plus administrateur de la page de compression, personne ne va plus, on ne va plus, ça ne va plus vivre. Voilà la page de compression là-bas. Tu étais là, tu mettais tout, c'est toi qui mettais tous ces séquelles dehors. Tu mettais tout dehors. Une femme aussi méchante, aussi jalouse, tu es chier comme une bête, parce que tu es merde. Tu es une merde. Regarde comment tu es développé. Regarde comment tu es. Tu as des cibles. Regarde, tu ressembles à une femme qui a les immeubles. Tu ressembles même pas à une femme qui a un carabot. Regarde comment tu es. Avec les boutons partout, les assiettes partout, la saleté de ça, même les clients là qui achètent ton piment dans le cœur. Je pense que quand tu écartes tellement tes fesses, les dents qui sont là, les chiens comme ça, là, tu peux me parler, c'est pas parce que j'ai pris de l'âge, j'ai dit que j'arrête, je suis jeune, je fais beaucoup de retours, je suis comme avant. Toi-même, tu t'as fait quoi la chambre? La terre est chaude. Tu avais insulté ma mère, donc je peux insulter ta mère correctement. Et ce qui est le c'est comme ça, ne mange même pas. Trop de photos. Mais elle passe tout son temps en train de son cou et tout partout. Et tu viens parler aux gens, hein? Dieu, tu vas, quand parler une chose comme ça, c'est bien parler. Parce que comme ça, faire vraiment la bêtise de te mettre à côté d'elle. Hein? Tu parles à qui? Je t'attends, viens si on parle. J'ai un peu le temps là. Viens ici. Une saleté comme ça là. Saut là-bas. Chien. Maman. Hey, les amis. Vous voyez, non? Père, vous dites souvent, c'est là que le combat entre TKC et moi là, TKU là, et ma tempête, ne vous mêlez pas. Je vous avais dit ça ici, non? C'est parce que tu n'as pas encore tramponné ton pression propre. Et moi, là. Tu n'as pas encore tramponné ma tempête. Ma chérie. Que c'est une place, non? Que c'est une place. Moi, voici qui vient de me réveiller le matin. Voici mes cheveux ici, là. C'est le poivre ici, là. Vous voyez mes cheveux, c'est le poivre. Arrête de te justifier. Qui te paye? Vous voyez les boutons? Ouais. Vous voyez les taches? Vous voyez les boutons? Voici, il vient de me réveiller. Yakuba, tremblez. Comme tu écoutes là. Bah, le harcèlement, Yakuba, je me réveille ce matin. Ouais, Noël ne dit pas que. Hein, Noël ne dit pas que mince. Quand je vous dis ici que mon combat, c'est ma tempête. Et ça fait quand vous ne comprenez pas. Vous voyez alors, le harcèlement, je viens de me réveiller. Voici à quoi ma face. Je viens de me réveiller. Qu'elle aussi, elle allume le direct. Qu'elle fasse aussi le direct en se réveillant. Bon, bah. Yakuba. C'est pour ça qu'elle dit que. De l'omboulema. Je dis ceci. Que tant que tu n'as pas lavé ma tempête propre, jusqu'à que la TKU sent dans leurs os, ils ne vont pas te laisser. C'est parce que tu caresses. C'est parce que tu sais, j'ai l'impression que tu leur demandes une faveur. C'est pour ça qu'ils te traitent comme ça. Aïe, Adama, hein, maman. Tu n'as pas vu que quand moi je suis sortie de là, comment j'ai traité? Je me suis assise sur elle. J'ai lavé matin, midi, soir. J'ai pensé que quand j'allumais ma caméra, c'était comme si j'avais bu 10 bouteilles de whisky. Ouais. Tu laves les bêtises. Tu ne mets pas les voices. Les voices que la fille a mis là. Tu écoutes et tu laves Ngosa, ma tempête avec. C'est comme ça qu'on fait. On ne met jamais les vidéos où on te lave. Quelqu'un te lave, tu finis d'écouter. Tu viens t'asseoir. Tu avais les mots. Oui, allô? Oui. Ah, il a dit que... Je suis dans la valise. Toi, tu bois ton matin? Ah, moi je crois que je commence à 14h jusqu'à 21h.
Oh, ok, ça marche, merci. Ok, je... Hein? Ah non! Non, non, moi je ne continue plus. Oh oui, oui, oui. Ah, ah non! Non, 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 je joue, je suis de l'époque. Je suis de l'époque. Oui. D'accord. Ok. Ah, merci. Je vais comment dire? Ce que je subis. Comment dire? Ma collègue. Ma collègue qui me doit l'argent. Elle me demande que elle me doit l'argent. Elle me demande si je veux continuer la tranquille. Je dis je ne continue pas. On me rembourse tout ce que je veux dire. Moi, je rentre plus dans la tranquille, c'est fini. Non, c'est bon. Ah oui, il faut que je le forme. J'avais mis deux noms. Tu croyais que si tu ne puis à la sortie de la tâche de compression, personne ne va plus, on ne va plus s'en appuyer. Voilà la page de compression là-bas. Tu étais là, tu faisais tout, c'est toi qui mettais tous ces secrets dehors. Tu mettais tout dehors. Une femme aussi méchante, aussi jalouse. J'étais comme une merde. Tu es une merde. Regarde comment tu es. Tu as des cibles. Regarde, tu ressembles à une femme qui a des cibles. Tu ressembles même à une femme qui a un carapot. Regarde comment tu es, avec les boutons partout, les assiettes partout, la salité de ça, même les clients là qui achètent ton piment en regard. Tu penses que quand tu es cadré tellement, tes clients qui sont là, ils chiennent comme ça, tu peux me parler. C'est pas parce que j'ai pris de l'âge, j'ai dit que j'arrête, je suis jeune plus beaucoup de boutons, je suis comme avant. Toi-même tu connais, demande à Lolo qui vit, jusqu'à elle allait me porter, peut-être moi j'avais traumatisé dans l'intérêt d'ici. Tu as dit, même vous viens, elle a eu des enfants, et tu parles de mes enfants par rapport à quoi. Sinon ma faute, si tu n'as pas d'enfant, après vous allez pleurer que, après quand je vais parler, tu vas pleurer que je t'ai expliqué que tu n'as pas d'enfant. Tout le temps, tu es toujours en train d'aller. 60 balais. Hein? Tu es sûr d'avoir 60 balais, ma chérie? Toi qui parles de la mère de Ndolo Moulema, tu es sûr d'avoir 60 balais? Hein? Ta petite fille va bien. Elle mange et dort. Elle va très bien. Elle va très bien, Tedora, merci. Regarde-moi une petite idiote, une petite sauterelle qui vient t'insulter. Et tu prends ça, tu mets ça, tu tombes. C'est à cause des choses comme ça qu'on a bloqué ta page. C'est à cause des choses comme ça, Ndolo Moulema. Parce que quand tu joues ça sur ta page, c'est comme si tu laisses les gens, tu salis ton mur. Tu ne dois pas jouer les trucs comme ça sur ta page. Tu finis d'écouter. Même pas montrer la photo. Tu ne montres pas la photo, tu ne montres même pas la page. Tu poses ça en bas. Les gens entendent. Parce que quand tu montres comme ça, tu salis ta page. On insulte ta mère et tu prends les mêmes voices et tu viens opposer. Hein? On lui dit ça, elle ne comprend pas. Oui, ma chérie, tu ne dois pas montrer la page de la personne. Quand on t'insulte ta maman, on t'insulte toi, la page de la personne, c'est ni vu ni connu. Tu poses les voices. Tu vois comment je fais, non? Tu poses les voices en bas. On entend la voix de la personne. C'est comme ça qu'on est. Elle dit que elle a vendu le piment. Donc ça veut dire qu'elle a vendu le piment avec ta mère. Elle a vendu le piment avec ta mère. Elle insulte maman. Elle est sûre même que cette petite sauterelle là. Elle est sûre qu'elle peut atteindre l'âge de ta mère. Hein? J'ai dit que partout on insulte ta mère. Je vais acheter le problème. Je veux acheter le problème. Parce que ta mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand t'insulte toi, je n'en disconviens pas. Mais quand insulte ta maman n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle est sûre qu'elle va avoir l'âge de ta mère. Cette petite sauterelle qui parlait là. Et tu montres sa page. Hein? Elle t'insulte, tu montres sa page. Depuis quand comment on appelle ça? Depuis quand on t'insulte, tu montres la page de la personne qui t'a insulté. Depuis quand? Merde! Depuis quand tu fais ça? On insulte ta mère?
chaud là-bas, chienne. Elle décide des chiennes, elle-même elle est chienne, ma chérie. Regarde ouais. Comment tu es belle. Ben, vous dites souvent, c'est là que le combat entre TKC et moi, là, TKU, là, et ma tempête, ne vous mêlez pas. Je vous avais dit ça ici, non. Je ne vous avais pas dit ici, là, que l'histoire de ma tempête et moi, là, ne vous mêlez pas, non. Avec sa TKU, là, que c'est une place, non. Que c'est une place. Moi, voici qui vient de me réveiller le matin. Voici mes cheveux ici, là, seul poivre ici. Là. Ah, vous savez que quand une femme vient accoucher, il faut préparer les trucs hein, qui fait sortir le lait. Elle allait avec les seins, elle ne donne pas le biberon. Une personne comme ça, une petite sauterelle qui vient t'insulter, tu prends sa page, tu branlis sur ta page. Même si c'est le profil, ma soeur, tu ne dois pas donner. Tu ne dois pas donner cette occasion-là. Et quand tu fais ta page, quand tu es là pour décrypter, tu es là pour nourrir ta page. Tu n'as pas le droit. Je t'interdis ça. Je suis ta grande soeur. Je t'interdis. Tu n'as pas le droit de branler leur page sur ta page. C'est pour ça qu'ils signent tes pages. Tu n'as pas. Une petite sauterelle, elle est dans le noir. Et tu viens montrer sa page. Pourquoi? Elle insulte ta mère. Hein? Elle est sûre qu'elle va arriver à l'âge de ta mère. Elle est sûre que Dieu veut lui bénir d'atteindre, avoir l'âge de ta mère. Ta mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Ta maman n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc quand ça concerne ta mère là, je sors Hora. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Maudia. Je te dis. Maudit aujourd'hui, demain, après-demain. La malédiction que tu prends, toi qui insulte la mère de Nolomulema, la malédiction là, tu ne sais pas où ça va sortir. Continue à insulter les mamans âgées. Tu les caresses. Quand on lave ta mère, tu laves propre. Si tu ne veux pas laver, dis-moi que ma soeur, lance le direct. Oh, tu viens, on lave propre. Et ça ne chauffe pas. Merde. C'est quoi? On insulte ta mère. Hein? Les waka. Les deux choses qui se cachent derrière dans le noir là. Ils insultent ta mère. Ils connaissent ta mère où? Ce n'est pas parce qu'on a trafiqué la photo de ta mère. Hein? Ta mère est plus belle. Nyama. Et puis bois, il la rajoute. On insulte ta mère, tu viens montrer leur page, hein? Tu viens faire leur publicité, tu es là pour fabriquer ou quoi? Hé, hey, je te passe toi-même le savon, je suis fatigué. Tu n'as pas à branler. Si moi j'avais vu, j'ai cherché à entrer dans ton direct, quand je faisais mon direct ce matin, mais j'ai constaté que ce n'est pas sur ta page que tu fais. J'allais te dire de ne pas faire ça. Une petite sauterelle, une petite poufiasse. L'aide comme tout. Depuis que tu es parti sur la page de ma tempête, hein? Depuis que tu es parti là-bas, sa page, elle a changé de page, non? You know. Pourquoi elle ne fait pas des vidéos sur la page où il y a 100 000 abonnés? Pourquoi elle ne fait pas? Dis-moi, dis-nous. Il dit, maman, tu ne sais pas te chamailler. Tu allais dire à ce poufiasse d'accueil. Tu dis que je suis l'aide. Depuis que tout toi, tu es bête, pourquoi tu n'achètes pas le téléphone à ma tempête? À la guerre comme à la guerre, tu laves pour. J'ai dit tu laves, tu en profites. Hé, hey, Adama. C'est quoi? Quand tu étais là-bas, là, tu les laves, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens demander l'autorisation au Nyama Nyama. Tu laves pour la personne qui veut. On part avec les mains. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ni bois, ni bien. Tous les têtes à tous les imbéciles. Les gens qui n'ont pas les personnalités comme leur patron là, il ne faut pas doloter ma soeur. On ne dolote pas la caille là. Quand ça a la guerre, ça a la guerre. Hé, hey, adieu, mon ami, tu dolotes quoi? Tu caresses quoi? Ah, ma soeur, tu caresses quoi? Faut pas caresser. On ne caresse pas. Quand on va à la guerre, on ne caresse pas. On ne caresse pas. On donne à tous. Vous voyez les boutons, les taches. Vous voyez les taches, vous voyez les boutons. Bah, vous voulez, viens de me réveiller. Yakuba, comme tu écoutes là, par le harcèlement, Yakuba, je me réveille ce matin. Ouais, moi, ne dis pas que mince. Quand je vous dis ici que mon combat, c'est ma tempête, et ça fait qu'à vous ne comprenez pas. Vous voyez le harcèlement, je viens de me réveiller. Voici encore ma femme. Je viens de me réveiller. Qu'elle aussi, elle allume le direct. Qu'elle fasse aussi le direct en se réveillant. Bon, voici, voilà ma femme ici là. Plein de boutons. Je ne sais pas où elle voit les boutons. Je ne sais pas où elle voit les boutons, je ne sais pas.
place. Mais je ne garde tout ça pour moi-même. Dès qu'on m'appelle à nuit, bon, je vais vous faire tout ça. Je garde tout ça pour moi-même. Je connais pas si tu ne... Tu n'es plus administrateur de la tâche de compression. Personne ne va plus... on ne va plus s'en appuyer. Voilà la page de compression là-bas. Tu étais là, tu mettais tout. C'est toi qui mettais tous ces secrets dehors. Tu mettais tout dehors. Une femme aussi méchante, aussi chante. Mais quoi, tu es merde. Ouais, c'est bien. Tu as pris de l'âge. Je suis comme avant. Tu connais, demande à l'autre. Jusqu'à là, elle me portait, tellement je l'avais traumatisée dans les directs ici. Je ne peux pas faire demain. Je suis au travail. Demain, je pars. Je quand je pars là. Je pars, je ressors quand à Benjamin. Et demande à ta maman d'arrêter de vendre le piment. À son âge, elle a fini par voir la piscine. J'ai, on ne dit pas. Tu ne sais pas que elle, peut-être qu'elle veut sortir pour venir te clasher. Quand tu donnes les indices, que c'est la page de tel, regarde comment je fais. Je décortique ton direct. On entend que sa voix. Il faut pas. Bro, il faut même pas. Tu montres, comment on appelle ça? Tu montres sa page. On ne fait pas. On ne fait pas ça. Parce que quand tu montres la page, on te demande en bas que c'est la page de qui? Tu dis que c'est la page de telle personne. On ne fait pas. Non. Oh non. Elle demande que demande à Lolo Pipi. Elle dit que demande à Lolo Pipi que Lolo Pipi va porter plainte. Donc elle parle de Tata Lolo. Hein. Elle dit que quand elle insultait Tata Lolo dans le noir, hein. C'est une personne qui est dans le noir. Hein. Elle faisait les directs dans le temps, dans le noir. Shalom, oui. Shalom. Voilà, moi voici ici là. Où elle me voit même plein de boutons. Où elle me voit crade ou. Je viens de me réveiller. Moi voici devant vous ici là. Je n'ai même pas lavé la face. Je n'ai même pas. Moi, mes cheveux poivrent. Je vois la poivre, c'est ici là. Je dois avoir honte aussi de ça, maman. Je dois avoir honte de mes cheveux poivre sel. Maman, je dois savoir que vous m'avez fait me réveiller. Elle voit les boutons. Je suis au Cameroun, la face gonfle. J'ai la face qui gonfle quand il fait chaud. C'est normal. Pourquoi tu te justifies, hein? Tu ne sais pas que une personne, moi, mon dernier fils, Alel, et comme ça, elle vient, elle sort aussi du noir. Tu n'as pas réfléchi à ça? J'ai les blancs depuis dans... Ouais. Tu veux ça, hein? Oui, Fleur Divine. Hein? Elle croit que quand quelqu'un a les cheveux... comment dire? Fleur Divine. Elle croit que quand quelqu'un a les cheveux blancs sur la tête, ça veut dire que tu es vieille. Ça veut dire que non. Tous non. Hein? Mon fils est né, mon dernier fils, pas mon fils est né. Mon fils est né n'a même pas encore, même moi-même, je n'ai pas encore les cheveux blancs sur la tête. J'ai pas encore les cheveux blancs sur aucune de mon corps. Hein? Elle là, elle est née avec. Elle est née avec. De l'homme, elle est née avec les cheveux, sel poivre sur la tête. Mm-hmm. Hein? Oui. Donc, quand toi tu viens venir parler pour venir dire qu'elle est sale, elle t'a demandé de la laver. Hein? Si toi tu vois que tu es propre, sors du noir, non, on voit aussi tes cheveux. Hein? Voilà Fleur Divine qui dit que, hein, elle a, hein? Voilà, qu'elle est née avec les cheveux blancs depuis 8 ans. Qu'elle a eu les cheveux blancs depuis 8 ans. Hein? À l'âge de 8 ans, elle a les cheveux blancs sur la tête. Ce n'est pas parce que tu as les cheveux blancs sur la tête que tu dois pour t'écouter. Si tu ne m'aimes pas, ne mets pas ma vidéo, ne mets pas mon visage. Quand tu pars dans le blog de quelqu'un, tu vois le visage de quelqu'un, ça veut dire que cette personne a un penchant de la personne. Mais vous n'allez pas me voir. Moi, quand j'ai discuté la vidéo de quelqu'un, je ne branle même pas ce page. Je peux faire un effort d'appeler ton nom. Parce que pour, voilà, surtout les gens qui sont dans le noir. Hein?
Donc quand tu es là, tu dis à tu parles, quelqu'un qui vient t'insulter, tu prends sa page et tu montres. Hein? Elle est là, vient t'insulter. Elle insulte ta mère. Et toi, tu fais sa publicité. Eh, Adama. Partagez la vidéo, les gens. C'est ce que j'ai dit. C'est que quand je vois le problème de Ndongoza, je viens, je parle. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que la personne qui n'est pas d'accord, dites désabonnez-vous. Voilà le harcèlement que je reçois. Voilà le harcèlement dans mon inbox. Dans mon inbox. Ce n'est pas rien, vous. Ah, quand je vous dis que ma, la TKU, là, juste elle et moi, là, ma campagne, la TKU, c'est juste à la gare. C'est juste à la gare. On croyait que je blaguais. Ouais, papa, hein. Tu dis que hey, tu appelles les gens, quelqu'un qui te paie la connexion. Personne ne te paie la connexion. C'est ton blog. Tu fais de ton blog ce que tu veux. Tu n'as pas à donner les explications à qui ce soit. Même à moi, tu n'as pas à donner les explications. Quand tu veux faire ton blog, quelqu'un tu dis que ça c'est ma cible, tu t'accroches à ta cible. Tu ne gères pas les gens. Quelqu'un comme celle-là vient t'insulter. Tu prends tout ce qu'elle t'a insulté, tu mets sur Ngoza. Aïe, 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 aïe. Tu mets sur Micheline Pompé, ça ne chauffe pas. C'est comme ça qu'on fait. Eh, un faux profil qui dit que j'ai insulté sa mère. Un faux profil que je ne connais même pas. Je ne sais même pas à quoi sa mère ressemble. Elle dit que j'ai insulté sa mère. Même ce que je connais de ce que je connais même. Les gens qui font même les gens qui font les directs. Je n'ai jamais insulté. Même Boumkena. Même Isakam qui m'insulte tous les jours. Là. Je n'ai jamais insulté sa mère. Mais un faux profil, moi j'ai insulté sa mère. Vous voyez le degré. J'arrête. Je fais beaucoup de retours, je suis plus comme avant. Toi-même, tu connais vraiment la loi que jusqu'à me porter, tellement je l'avais traumatisé dans les directs ici. Il fallait dire même vous rien. Boumkena n'a pas traumatisé. Boum, tu n'as pas traumatisé Tata Lolo. C'est toi qui traumatises. Donc, tes injures là. Tu trouves que tu traumatises les gens avec tes injures. Oui. Eh, Charlotte, tu parles de tes enfants par rapport à quoi? C'est vraiment si tu n'as pas l'enfant. Après, vous allez pleurer comme. Je trompe. C'est ça la différence. C'est pas nous qui disons. Hein? Pourquoi tu as dit qu'elle n'a plus de trompe? Hein? Donc, avant de venir dire à Ndolo Moulema que va faire une fille, va dire à Maha Tempest qu'elle-même va faire. C'est ça. Commencez d'abord par ta patronne à Mba, Chouan, Bushman. Elle dit que je parle soit les enfants des autres. Ceux qui me suivent dans Ndolo Moulema, je parle des enfants des gens. Je parle des enfants des gens. C'est que tu n'as pas compris. Quand on clash quelqu'un, c'est que tu n'as pas compris là. Il y a les gens, quand ils te clashent, ils prennent même ce qui n'est pas vrai. Ils te collent sur toi. C'est toi qui les caresses. C'est toi qui caresses. Quand on va à la guerre là, tu bombardes sans savoir même que si la personne, tu ne laisses pas ton adversaire se retourner. Tu n'as pas compris encore? Hein? Tu n'as rien saisi? Hé, Adama, je veux t'apprendre. Je veux t'apprendre. C'est ça qui est ça. Elle dit que j'ai là, je suis que je parle pour les enfants des gens. Vous qui me suivez là dans Ndolo Moulema, je parle pas les enfants des gens. Avançons. Aïe. Je vais aller me montrer sur Pierre, à son âge. J'ai vu la photo de ta mère, tu as vu à quoi elle ressemble? Je trouve qu'elle est un gringas, ça veut dire qu'elle n'est même pas mince. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai déjà vu la mère de Ndolo Moulema, ici chez moi. J'ai déjà vu la mère de Ndolo Moulema. Elle n'est pas mince. Elle a ma corpulence. Elle a ma corpulence. Elle a les lasses. Oui, elle a les lasses. Elle a le bocho. La mère de Ndolo Moulema, elle est fine. Elle a ma corpulence. Elle a le bocho. J'ai dit que le bocho de ça. Donc, quand tu l'insultes, c'est Maha Tempest qui ne peut pas boire les médicaments. C'est Maha Tempest qui est une gringa. Aujourd'hui, elle est toujours dit que je suis malade, je suis malade. Avant de dire, c'est Maha Gringa qui a faim. La mère de Ndolo Moulema n'a pas faim. Tu as compris? La mère de Ndolo Moulema n'a pas faim. Hein? La mère de l'homme ne demande pas. Elle ne demande pas à manger ni à boire. Tu as compris? Il vouille là. Il comprend
commencé à faire vraiment la bêtise de te prendre, de te prendre, de te mettre à côté d'elle. Hein? Tu parles à qui? Elle avait le choix. J'ai un peu le temps. Comme un gringo avait le choix. Parce que comme ça là. C'est toi la charité. Chienne aussi. Gringa avait le choix. Quand Gringa avait choisi de l'homme lema, c'est parce qu'elle savait que de l'homme lema à la poche. C'est parce qu'elle savait que de l'homme lema peut la dépanner. C'est parce qu'elle savait que de l'homme lema peut la sortir de la merde. Toi, tu étais où? Hein? Une bouffonne comme ça. Toi, tu étais où? Pour sortir ma tempête de la merde. Tu étais où? On t'avait pas vu alors que tu étais dans la TK ou Mba, Bushman, des bandits, des affamés comme ça là. Déjà tu as oublié de m'amener. Il est encore plus grosse que ça. Hein? Ah non, je n'ai pas acheté. C'est tout, Yacouba. Dimanche, je vais aller. Ma soeur, laisse tes amis qui ne sont pas d'accord. Toi-même, tu sais que tu vis avec elle. Là, voilà, dis donc. Pour l'instant, tu es à. Voilà, c'est l'anniversaire aujourd'hui et c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est mon anniversaire et c'est l'anniversaire. Je pense que tu n'as pas compris. Je vais préparer la bataille. Je viens de me réveiller comme ça. Quelle chose debout depuis 6 heures en train de préparer. Je suis au Cameroun. Ah, ma tempête, voilà la nourriture. MMS, voilà la famille de ça. MMS. Une personne que je ne. Elle est dans le ah non, il faut mettre tout le poivre là, parce que si on garde. Depuis que je fais mes cours, j'ai apporté le nom, c'est un jour. J'ai apporté Charlotte Louis en jour, qui a dit que j'ai insulté sa mère. Ah! C'est le cardio, hein. Ça? Facebook, c'est le cardio, hein. C'est ce que tu dis doucement. Facebook, hein. C'est pas facile. Quand je vois des gens qui viennent s'égarer là, oh, laisse ton père sort, laisse là, elle t'a fait quoi? Venez écouter. Vous les TK, vous là, venez écouter. Parce que mon collègue ici qui est ici. Ah, regarde. Voilà ça. Connasse. Chienne comme ça. Jusqu'à une tienne conversation que tu n'as pas là. Tu n'as pas à boucher. Tu as eu la chance que si tu changes les champs, en plein déplacement, je pourrais pas faire mon tu dis que conversation n'a pas d'enfant. Et les enfants disent que parce que tu es méchant, tu es méchant. Tu es méchant. Et tu viens ouvrir ta bouche. Tu me parles. Tu ressens dans la bêtise. Des filles comme toi, je ne sais pas pourquoi tu es avec les filles comme toi, tu es ici. Les filles comme toi, d'après son au Cameroun, là-bas au pays. Dans un champ, un vieux village, là, tu fais les champs. Parce que tu es tellement villageois, j'ai jamais vu. Une fille qui vient d'où, qui est aussi villageois. Même le gars, là, mon frère, voilà, là, le gars de Gaïdo Boy, là, Gaïdo Boy, là, il est avec toi parce qu'il veut quelque chose. Et tu le gars, il m'a dit, j'ai un vrai gars, voilà, ne peut pas être avec une fille comme toi. Mais toi, regarde-toi comment tu es. J'ai vu l'autre jour, tu dansais, c'était le direct avec les gens. Regarde comment tu es sale. La femme, c'est l'entretien. Avec tout cet argent, c'est pourquoi par rapport à toi. C'est pourquoi hein? La femme, c'est l'entretien. Tu viens ouvrir pour parler, tu parles à la compression. Toi, compression, il y a un match. Regarde comment tu es physiquement, il y a compression. On place compression, on ne te regarde même pas. Et pourquoi, avec tout la beauté là? Envoyez là, on sait le faire. Les clashs, on sait le faire. On a vieilli, on a pris du recul. Voilà pourquoi je ne fais plus, mais ce n'est pas parce que j'ai peur du tout. Si je me décide que je vais faire les cartes tous les soirs, toi, tu vas voir. Tu auras chaud. Les stars là, tu auras chaud. Tu as compris? Donc je t'attends, tu n'es pas connecté. Viens aujourd'hui à toi et moi. Je ne te bloque pas. Viens. Viens me répondre. J'ai encore un peu de temps. Viens me répondre, toi et moi aujourd'hui. Et si ça me pique, je lance le pied, je te lave comme jusqu'à tes fesses. Lave! Ouais, Azamba, ma soeur. Ceux qui ont du songo là-bas, ils ne font pas la guerre payer. Je me lève le matin, Jacqueline, je tombe sur ça. Elle n'a pas de bon gars, elle a un jachet. Vous voyez la haine? Vous voyez le niveau? Elle a un jachet. Il boit le dom. Elle a un jachet. Hein? La jachet veut les tuer. Elle est Gringa. Gringa se lève, Gringa est couché sur son lit seul. Je suis moi dépassé. Je me suis dit que je me suis levé ce matin. Comme ma page là. Je ne sais pas ce qui dérange sur ma page. Ndolo Moulin m'a dit ça. Je n'arrive pas à faire les tirer là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà où je tombe sur les injures pareilles. Quand vous entendez une voix comme ça, là, avec autant de haine, une femme comme ça, là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Où. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Qu'elle même vient, elle vient faire le tir, elle vous dit ce que je lui ai fait. Au point à déverser autant de haine. Tu n'as rien fait. Je ne réponds pas. Je voulais juste te faire écouter, Jacqueline. Je te dis. Il ne fallait même pas. Il fallait seulement parler. Incroyable. Regardez la haine. La haine. C'est une petite sauterelle. Vous voyez, quand je vous dis souvent que ne vous mêlez pas, ne vous mêlez pas. Tu demandes l'autorisation, Adama. Voilà Charlotte Louise. Jusqu'à quand tu dis, Adama. Ce matin, j'ai plein de boutons, je suis crade, je suis moche. Je ne savais pas qu'il fallait que j'enlève mes cheveux sel, poivre, cela. Je ne savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Où elle a vu les boutons pour? Où elle voit les boutons pour? MSN, je n'ai pas mis le filtre là. Je viens de me réveiller, Jacqueline, moi, parce que vous allez.
je viens de me réveiller. J'ai dit que je ne vais même brosser les dents, je ne vais même pas encore brosser mes dents. C'est patron là. Ça m'a t'empêche. Oh, ah. C'est parce qu'ici là, tu mets 2 gigas ici là. Même pas une heure, le crédit a fini. Je remonte en France. Voilà mon mari ici là, je vais envoyer ça à mon mari. C'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. C'est mon anniversaire, regardez ce que je reçois le jour de mon anniversaire. Écoutez ce que je reçois le jour de mon anniversaire. Quand je veux m'en prendre à ma tempête, on m'a dit que passe à autre chose. Je vais vous laver, vous qui me demandez souvent que passe à autre chose. Je vais vous wash. Vous qui dites souvent que passe à autre chose. Personne ne te paie ta connexion. Aïe. Regardez le direct où elle dit que moi, comment tu vas ma Lomès? Va le direct là ici, parce que c'est ici là. Où elle dit que je suis crade. Attendez. Ouais. Je ne sais pas. Oui, il faut que les gens doivent être au Cameroun. Vous voulez que je sois au Cameroun. Je mets les mèches comme ici là. Je mets les longs ongles. Quand je mets les longs ongles, je mets les mèches ici là. Je mets les phares. Je mets les. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas la boucle. Je ne sais pas quoi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Hein. Regardez ce que je reçois. Hein. Mon anniversaire aujourd'hui. Regardez ce que je reçois. Merci. Oh. Merci, non. Bébé. Ouais, Bibi, je vais t'appeler, pardon. Bibi, je vais t'appeler, tu es en direct, oh là là. Ah, vraiment, je ne sais pas. Il faut qu'on doit cacher ta vraie nature. Regardez comment je suis moche ici, là. Quelle que lève, elle assume comme toi. Merci, les bains d'Afrique. Voilà encore l'une de mes soeurs ici là, les bains d'Afrique. C'est toi qui disais ici là que je dois laisser compresseur, non? C'est toi qui disais que je dois laisser compresseur, non? Viens aller écouter alors. Moi voici au village, c'est la lumière. Elle dit que je suis noire. Elle dit que je suis noire. Je suis sale ici. Je ne sais pas. Ou il fallait que j'invente la lumière, ou bien il fallait que je ne sais pas quelle lumière il fallait qu'elle mette ici là. Elle dit que regarde mes formes. Je ne sais pas ce qu'il fallait que j'invente ici là. Ou il fallait que je vais m'habiller en costard. Je mets le nœud qui me sert ici là. Uh-huh. Ça fait plaisir à mes adeptes. Oui, les belles d'Afrique, tu m'as dit depuis la avec compression. Non. Viens aller écouter alors, je te fais écouter les voix de l'une de ses filles. Quand je vous dis ici là que mon combat, c'est elle et moi. Vous ne pouvez pas savoir autre chose. Une petite sauvegarde. Voilà, hein. Les belles d'Afrique, voilà. Donc tu dis que c'est mon anniversaire. Viens aller écouter alors, c'est que. Les dégâts où alors, viens écouter le lavage. Je ne sais pas que là. Je t'ai prononcé. Je fais mes commentaires, je comprends ça chez Marianne. Ça a raison, c'est la chose là. Je viens quand même commenter, tu dis, maman des enfants. Mais pourquoi tu es jaloux? C'est vraiment fou si tu as un ventre pourri. Ouais. Si tu as un ventre pourri. Mais va faire un fils. Allez, ça qui allez souiller les chats. Et de l'homme, il m'a dit cela. Pour une masse gros vache. Je dis, apprends à te laver. Une femme, c'est un truc, tu es sale. Non. Partout. Avec le ton sale. Nous ne savons pas que tu viens en Europe. C'est comme si tu vis dans un seul fond village, dans un, je sais pas, dans un pays là. Tu ressembles à une bendice, quoi. Tu ressembles à une bendice. Les bendices sont comment? Sors du noir, on voit à quoi tu ressembles. Même au Cameroun, ça se fait. En Europe, ça se fait la fille. Tu as beaucoup de mais tu n'as pas, mais tu es là, tu es jaloux. Tu as compris ce que tu as acheté. Tu as acheté. Et puis tu sais, tu as acheté mon pied. Mais non, tu vas chialer, tu vas parler, tu vas pleurer à vie. J'ai dit, compresseur l'a jeté. Elle est quoi, une poubelle? C'est toi qui es ordu. C'est toi qui es ordu. Une vieille quoi? Elle n'a pas le nom de TKC, non? Elle n'a pas le nom de TKC, non? Maman, un petit zombie. C'est une bonne chose. Hé, hé, hé. Oh, oh, oh. Oh, n'est pas le nom de TKC. Moi, là. Voilà le jour de mon anniversaire. Hey, voilà le jour de mon anniversaire. Voilà là, c'est que je reçois alors. Les injures de ça. Les injures. Jim Tekaou qui s'est égaré dans mon inbox. Venez me laver, me rincer, me grossir. Madame. Coco, Nono. Oui. Chanel Matt, la belle. Nancy, c'est qui? Je t'insulte. Moi, quand je te dis que je n'insulte pas, parce que voilà, je ne te veux pas dans les insultes. Hein. Mais ça, c'est mon point de vue. Tu n'aimes voilà. Pas. C'est pas parce qu'on t'a insulté que tu es obligé de quitter. Moi, c'est comme ça que je vois. Mm-hmm. On est en train d'entrer dans un truc où on va faire une vidéo, ça va pouvoir expliquer et toi, tu vas faire, et toi, tu vas faire. Moi, c'est voilà, je vais te voir tout ça, selon ce que toi, tu vas faire.
maintenant pour voir là. Moi, mon point de vue, ça n'a pas marqué un peu. Je ne veux pas te laisser entrer dans ce genre de guerre. Ah bon, on est quand même des soeurs à un moment donné. Et en plus, ce que je ne veux pas aujourd'hui, c'est que c'est ton anniversaire. C'est pas si tu t'en rends compte. Et tu es en train de gâcher ta vie. Mais accepte-toi une bonne bière bien fraîche. Et celle là-bas, même, il doit avoir un bar à côté de la maman. Ouais, voilà, mais c'est comme ça que va. Nous, on est encore ici, la belle, le sachant de 20, maman. Et tu es là, même, tu veux seulement gâcher ta journée de pauvre. Achète-toi une bonne bière bien fraîche, que le gars à côté là. En fait, tu te fais un petit bon bouillon, tu manges. Mais c'est ça. Tu es parti au pays. C'est même la neveu. Déjà pour le la neveu de ma grand-mère aujourd'hui. Non, mais tu es en train de te gâcher, regarde, en faisant ta grand-mère, c'est juste gâcher pour quelque chose qui était très bon. Oui! Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ndolo Moulema ne peut pas faire les vidéos sur la page de Ndolo Moulema Bis. Et quelqu'un qui entre dans sa vidéo vient lui dire que si tu avais dit que je vais signaler tes pages, est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce qui te prouve que à l'heure actuelle que tu n'as pas accès à ta page, que ce n'est pas elle qui a fait? Ouais, ma soeur. Toi, tu dis, les ces gens-là veulent te piétiner. Je comprends bien qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire. Ça, je suis d'accord. Il ne fallait même pas sortir. Il fallait attendre que la neveu finisse. Tu montes ici en France. Au cas contraire, tu allais venir me voir. On s'appelle, non? Tu allais m'envoyer ça. Tu dis que Nancy, moi, je n'allais pas faire écouter. J'allais laver cette pimbèche-là. Merde. Et je n'allais pas laver le jour de ton anniversaire. Moi, j'ai lavé aujourd'hui parce que c'est toi-même qui as mis ça. C'est pour ça que je joue ça. Tu ne devais pas faire ça. Quelqu'un, regarde, on a lavé le Matt ici. Matt a sorti sa photo. Matt n'a pas dit, n'a pas pris la page de comment on appelle ça, des gens qui l'insultent et branlent sur sa page. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, ma soeur. On ne fait pas ça. Une femme qui vient te dire que, je t'avais dit que je vais signaler tes pages. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Ndolo Moulema ne peut plus accéder à sa page de Ndolo Moulema Bis. Hein? Et puis une personne qui vient entrer dans son direct qui dit que je t'avais dit que si tu clashes Ngossa, je veux ça, elle qui a fait. Ma soeur, tu donnes quoi? Quand tu dis que tu sors d'une team, ceux qui veulent t'aimer vont t'aimer. Ceux qui ne veulent pas t'aimer ne vont pas t'aimer. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. À un moment donné, il faut choisir. Quand tu quittes d'une team et il vient te laver ta mère. Eh, ma soeur. Oh, porte Josh. Vous ne pouvez pas me dire ça aujourd'hui. Écoutez, hein. Maman. Allez, tu vas éteindre un peu ta caméra. Tu vas profiter. Il n'y a pas de problème. Il va te revoir. De ta journée, maman. C'est la fin aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Allez, happy birthday, ma soeur. Ah, merci. Bonjour, bisous. Regardez comment on vient la commander. Une personne qui vient te dire que et tu dois éteindre ton téléphone. Pourquoi elle n'est pas venue au début du direct? Hein? Quelqu'un qui ne veut pas que tu clashes. La personne veut t'appeler au début de ton direct et te dit que c'est le jour de ton anniversaire. Mets ça au chaud. Si tu veux clasher, tu clashes demain après-demain. Et puis c'est quelqu'un, c'est une tête à ouhou qui vient te dire que il faut que tu éteins. Hé, ma soeur, jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel moment tu veux donner ta vie à une pêche? Ah, ça m'écoeure. Moi, je joue. Courage, Nancy, avec ta soeur là. Ouais. Non, attends, toi, Jean-Claude, tu ne mens pas. Tu fais écouter en bas. Que écouter comment? La TK, tu dis généralement la TK ou, mais Marcel Animbox. Tu écoutes une fois et tu arrêtes. Tu fais le direct. Tout le monde qui veut venir là, tu dis que vous allez écouter à comment on appelle ça après. Vraiment, Nancy Beauté Beauty, si elle pouvait t'écouter, elle se fera blesser dans son propre live. Pardon? Vraiment, Nancy Beauté Beauty, si elle pouvait t'écouter, elle se fait blesser dans son propre live.
On ne fait pas ça. Regardez depuis que je suis partie. Même quand je fais écouter le live de Martha, le jour que vous me voyez couper le truc de Martha Tempest, ça veut dire que je veux parler là-dedans. Et je la lave bien dans le poste. Je lave bien. C'est-à-dire quand je fais le réel avec la photo de Martha Tempest, il faut écouter, c'est pas joli à entendre. Mais quand quelqu'un m'insulte, regardez seulement. Quand il y a une fille là, que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé la vidéo de Maru Perro. Comme je l'avais bloqué, sa tête par terre. Mais tant que tu dolotes Martha Tempest. Tant que tu la cajoles. Et c'est pour ça, quand j'ai suivi le direct de Lisa Lacono, Lisa Lacono t'a insulté. J'ai défendu, elle a insulté toi, Matt. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, celle de qui encore là? Une autre personne là. C'est pour ça que j'ai défendu. C'est pour ça que j'ai donné l'importance à Lisa Lacono. Parce que ce sont les gens qui viennent sur ma page. Ah oui, oui, oui. Et j'ai écouté le direct de Lisa Lacono à côté. Je n'ai pas pris comment on appelle ça? Le direct de Lisa Lacono. Je montrais sa page. Jamais. Et je ne suis pas, comme Lisa Lacono est bloquée, je ne suis pas allé sur la page. Je suis allé sur la page de Martha Tempest. Je suis allé sur le profil de Martha Tempest. C'est là-bas que je suis parti prendre. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut savoir que quand Martha Tempest te lave, elle partage. Donc si celle-là est venue te laver, ça veut dire que même Martha Tempest ne connaît pas son existence. Donc elle veut t'asseler pour que tu te la donnes l'importance et pour que tu ne puisses la fabriquer. Alors quand tu es là, tu dis que tu sors. Quand on sort d'une team, il faut être, il faut sortir d'une team avec une grandeur. Ah oui, oui, oui. Ne jamais prendre les vidéos de quelqu'un. Regardez comment je fais mon blog. Jamais je vais prendre la vidéo de quelqu'un, montrer la page de quelqu'un. Si je coupe que les grandes stars qui me dépassent à un abonné. Tu viens t'asseoir le jour de ton anniversaire pour montrer comment on te lave. Ça veut dire que tu montres aux gens que les gens ne doivent pas te respecter. Excuse-moi. Hein? Tu montres aux gens que les gens ne doivent pas te respecter. Avant de faire la vidéo, si j'ai cherché à te joindre. J'ai cherché à te joindre. Et comme je n'arrivais pas, j'ai lancé le direct. Parce que j'allais te dire que, mais ma soeur, qu'est-ce que tu as pu faire comme ça? Une personne qui t'insulte, non grata. J'ai dit que tu ne montres même pas la page. Quand tu fais le blog, même vous qui veut faire le blog, qui veut venir derrière nous, quand tu fais le blog, regardez-moi là, on m'a fait découvrir une page, une personne qui est sur la toile, mais qui coupe mes vidéos, qui fait son blog avec mes vidéos. Ça veut dire que quelque part, la personne ne cache pas mon visage. La personne écrit tout mon nom de ma page. La personne fait son blog avec mes posts. Là, je ne peux pas demander les droits d'auteur. Parce que la personne n'efface pas Nancy Beauté Beauty. La personne laisse. Là, ça veut dire que la personne fait ma publicité à moi. Ça, c'est l'ami de mon beau-fils. Quand on a seulement tapé Nancy Beauté Beauty, il est tombé sur une personne qui fait son blog. Depuis que j'ai dit que depuis le début de ma carrière, la personne est là. Depuis que la page est soir. Et la personne a plus d'abonnés même que moi. Ndolo a trop peur de qui? Oui, Amat. Attends. Alors que je l'ai dit, aujourd'hui sa page est bloquée. Dites-moi un peu. Aujourd'hui là, sa page est bloquée. Elle ne peut plus accéder à sa page. Elle a plus d'abonnés que Martha Tempest. Elle a plus d'abonnés que Martha Tempest. Il faut qu'elle trouve une solution avant de monter sur Paris, qu'elle récupère cette page-là. Vite! Parce que sinon, la TK Wouhou veut faire Andolo Moulema ce que moi m'avais fait quand j'avais Nancy Beauty. Rappelez-vous, j'avais Nancy Beauty avant. Quand j'ai atteint 3600, on a pris. Le tout-ci, on ne m'a pas regardé bien devant mon nom. Vous allez voir que ma page est certifiée. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent signaler. Mais quand je fais mes vidéos, je sais comment faire mes vidéos. Je crée des contenus. Je prépare, je monte. Je fais ceci, je monte. Je parle de bord de où je monte. Je parle au travail, je monte. Je crée mon contenu. Je suis une créatrice de contenu. Facebook me donne les challenges. Je relève ces challenges-là. C'est ça le créateur de contenu. Alors que j'étais avec elle.
Alors que Ndolo Mulema, maman a appris beaucoup de choses. Mais à elle-même, elle n'arrivait pas à un cadavre blanc. Marou Perro, les yeux, c'est même les Chinois, on voit même le blanc de leurs yeux. Mais ses yeux, c'est les eux. Elle a les pieds comme ça. Tu as la vie debout. Quand elle marche dans les baskets comme ça, comme un canard. Tu vas te comparer à qui? Tu as vu comment tu es? Tu as vu la beauté que tu as? Tu parles de quoi? La seule photo qu'ils ont prise de toi, c'est la photo où tu as attaché le foulard noir. C'est tout. C'est tout, ma belle. Tu regardes moi. À part mes mains, qu'est-ce qu'ils peuvent bien mettre sur leur page? Maintenant que mes mains sont en train d'éclaircir, tu vois qu'on n'en parle plus. Tu vois qu'on n'en parle plus. C'est parce que je fais l'ombim doucement, doucement. Il ne faut pas donner à cette genre de personne l'importance. Tu as vu l'habit du mariage? Tu as vu? Même pas. Je sais pourquoi. Hein? Vous pouvez les serrer à midi, à 14h. Ah, dama. Quand on fait le blog, on ne fait pas le blog comme elle fait là. C'est ça qui bloque les pages. Parce que les gens demandent les droits d'auteur sur les blogs, sur leur page. Parce que comme maintenant là, on ne doit plus couper les vidéos de personne. Alors pourquoi on veut prendre pour moi? Pourquoi on veut prendre pour moi? Ça veut dire qu'on prend pour moi. Hein? Et moi, elle veut rien dire. Ma soeur, tu es trop belle. Une femme qui se marie le jour de son mariage, même pas en rouge à lèvres. Hein? Quand on se marie, quand le jour de ton mariage, tu changes un peu la façade. Ah, je ne sais pas. Dans mes affaires, c'est ça. Ah bon? Tu veux finir qui? Non. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas bien fait, ça. Ah, ça fait mal jusqu'à. Regarde ma table. Chez moi là, tu as vu? Tu connais le prix de ça? Voilà nous. Et ça, j'ai en stock. J'ai en stock. Rien ne manque chez moi. Je peux manquer de l'argent, mais rien ne manque chez moi. Rien ne manque chez moi. Hein? Tu as vu, Mila, tu as vu comment le nettoyage sur ma page? Je veux faire le nettoyage sur ma page, que tout ce qui ne passe pas de pub, allez, je veux tout supprimer. On veut voir que Nancy avait ce que moi-même, je publie. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On ne voit personne d'autre. Et ça ne chauffe pas. Vous avez compris, on ne fait pas que où on te lave. Toi, tu as bien fait, Mila. Quand on te lave, quand on t'a insulté, toi-même, tu sors, tu le fais, bim. Tu mets ta photo, maman, j'ai mis la photo là. Tu mets ta photo, tu mets. Tu dis que regardez, tu laisses les gens venir commenter à ta place. Tu laisses les gens venir dire à ta place. C'est un cadavre ambulant, comme sa patronne. Elle raconte les patronnes. C'est moi la patronne de la Rue Perro. C'est moi sa patronne. Quand je fais, je vous ai toujours dit que quand je fais le blog, quand je fais ici, elle vient prendre pour faire son blog avec. C'est moi, sa patronne. Vous avez vu ici qu'en temps que je ne faisais plus les vidéos, elle est partie. Quand c'était l'affaire des gens, je me sens où tout nous, tout on était là. Elle a laissé le blog, non. Elle ne parlait plus. Parce qu'elle a vu que ce n'est pas son niveau. Son niveau, c'est la sauvagerie. Son niveau, c'est d'insulter. Regardez comment tous leurs façons, toujours en train de gonfler. On voit en bas là, on sent que quelqu'un a mis le filtre. Ma tempête, elle a installé le filtre directement sur son téléphone. Pourquoi elle ne fait jamais le filtre avec le téléphone de l'homme Moulema? C'est avec le téléphone de l'homme Moulema qu'elle passe le temps à contrôler. Une bouffonne. Une petite bouffiasse. Affamée de méta. Les ordures de méta.
Vous venez insulter les dignes femmes qui sortaient le matin pour aller travailler. Vous êtes dans le noir, mais vous venez insulter. Vous venez dénigrer. C'est tout ce que vous savez faire. Vous n'êtes pas fair play. Quand on est fair play là, on ne touche pas à la page de son adversaire. Quand on est fair play, on ne touche pas à la page de son adversaire. On laisse son adversaire. On ne signale pas. Est-ce que vous me voyez sur vos pages? Hey! Vous me voyez sur vos pages? Je ne parle pas sur vos pages. Je suis sur place. Ça vient me trouver en inbox. Ça vient me trouver en inbox. Quand j'ai envie de mettre quelque chose sur la dent, je passe sur la page de Mahatam. J'ai mon petit téléphone là. Je pars là-bas, je prends, je balance. Et j'écoute. Et je décrypte et je la lave propre. Et j'écris dessus. Tu ne peux pas prendre la vidéo où on t'a lavé et venir mettre sur la toile. C'est comme si tu donnais la chicotte à toute la toile de te taper. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tant que tu ne donnes pas. Parce que si tu ne venais pas montrer et que ça restait dans un inbox, tu ne brûles pas ça sur ta page. Tu dis c'est encore toi qui viens m'insulter là. Si tu veux que je te réponds là. Si tu veux que je passe ce que tu es venu. Tout ce que tu as laissé sur une bourse là sur ma page. Sors du noir. C'est simple. Maman, tu allais dire ça. J'ai dit, après tu mets une musique où tu secoues le popotin. Oui. C'est comme ça il faut battre. Quand tu crois que moi ne m'insulte pas une bourse, moi on m'insulte. Moi on m'insulte. Jamais j'ai mis ça sur ma page. Je ne donne pas d'importance aux gens comme ça. Je ne mets pas ça sur ma page. Je prends ta patronne, je lave. Les gens viennent te dire que oh, il ne faut pas clasher Ngossa. Ne clashe pas diamant pourri. Ne clashe pas diamant noir. Ne clashe pas. Qui te fait la correction? Ma chérie, quand tu souffres pour aller travailler et payer ta correction, qui est avec toi? Personne n'est avec toi. Tu n'as pas les comptes à rendre à qui que ce soit. Quand tu sors, tu laves propre et tu fermes. Tu prends que les gens que tu aimes dans ton direct. Les gens que tu connais. Les gens qui sont de ton côté. Les gens qui vont venir laver ma table. C'est comme ça et pas autrement. Le blog, ce n'est pas le voix bébé. Le blog, Meta, ce n'est pas le voix bébé. Meta, c'est le mental. Meta, c'est que tu n'as... Il n'y a pas la pastille là-bas. En bois. Matam, regarde, tu as vu le bouillon de ça. Quand ta fille accouche, voilà, il faut que le lait soit bien vitaminé. Oui, voilà la viande ici. Regarde la viande. Hein? J'attends d'abord que les patates essaient un peu de bien cuire. Ah oui. Regarde-moi ça. Les affamés comme ça. Hein? Les affamés. Mes gens, personne ne doit vous commander. Quand tu veux laver quelqu'un, tu allumes ton téléphone, tu laves propre. Et tu sors. Et ça ne chauffe pas. Oui, vous mangez les céréales à 15h. Tu vois, là c'est bien. Les patates sont là cuites. Je vais mettre tout dedans. Oui. Moi-même, j'appuie. Hein. Mm-hmm. J'appuie, c'est dérangé, maman. Matam, voilà. Une vraie grand-mère. Hein? Une vraie grand-mère. Regarde. Regarde-moi. Regarde. Là, je fais partir un peu la viande en bas pour que ça prend un peu la sauce. Oui. Matam. Il boit le dos, mais une vilagno. Tu vous venez insulter les gens, ceux qui sont sales, alors que vous-même vous êtes sales. Vous venez insulter les vraies femmes qui sont sales, alors que vous-même vous êtes sales. Hein? Gospius ne mange pas le poisson congelé. Ça, c'est pas le poisson, hein? C'est pas le poisson. Ça, c'est pas le poisson. Ce n'est pas le poisson. J'ai acheté moi ma queue de bœuf coupée. Je fais le bouillon avec.
Mais oui, oui. Il faut les vitamines. Ouais, il n'y a pas le poisson dans mon bouillon. Il n'y a pas le poisson là-dedans. Vous avez compris? Et boit le zoom. Kabat veut le poisson là. L'eau fraîche, le poissonnier, c'est trop. Madame ne peut pas acheter le poisson. Une petite sauterelle comme ça là. Vous insultez les d'autres femmes alors que la personne que vous supportez, elle est dans les problèmes. Tu dis qu'un compresseur a porté un enfant. Hein? Parce qu'on est venu laver son... Ndolomoulin m'a apporté les jumeaux. Ndolomoulin m'a apporté les jumeaux. Tu n'es pas au courant. Bah. Vous dites que vous parlez avec quelqu'un. Tu n'es pas au courant qu'elle avait, elle a porté les jumeaux. Elle a perdu les jumeaux. Ndolomoulin m'a aussi. Hein? Et Facebook, Adama. Facebook, c'est la Chimamélu. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on appelle grand-mère. Grand-mère qui prépare. Moi, elle ne mange pas trop. Moi, elle ne mange pas le sel. Elle ne mange pas le sel. À table, tout le monde veut mettre sa part. Ouh, quand même, ça saute. Hey, ma table. Si elle te donne ça, là, le bouillon, si où tu es couché là-bas, là. Je sens que... Je vais vous laisser, je vais laver mes marmites. Donc, quand vous venez insulter les gens, il faut savoir, il faut connaître. Donc, ma soeur, pardon, ne fais plus l'erreur là. Le blog, avant de monter, récupère ta page. Récupère ta page avant de monter. C'est ça, il faut récupérer ta page. Oui, 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 oui. Récupère ça. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous reviens tout à l'heure. Allez, bisous à vous. Soyez connectés. Je vous aime. Partagez la vidéo au maximum. Et abonnez-vous. Mais il ne faut pas oublier. Il faut vous abonner. Allez, bisous là-bas. Ciao.